pense que je verrai plus la Loire de la même façon. C'est vraiment vaste, c'est vraiment un grand espace naturel. C'est un élément fort qui nous fait du bien, juste par sa présence. Il est 6 heures du matin, à quelques kilomètres d'Amboise. Jean-François Souchard est guide et photographe. Il s'apprête à naviguer aux portes de la Touraine. On gonfle le fond et c'est bon. Toute l'année, il photographie la Loire. En 10 ans, Jean-François a réalisé plus de 10 000 clichés du fleuve. Nous sommes aux premières lueurs du jour et les rives sont encore calmes. C'est le meilleur moment pour immortaliser une nature encore sauvage. C'est la matinée idéale. Le soleil se lève, tranquille, belle lumière, pas trop violente, belle matinée d'été. Comme Jean-François, ils ne sont que quelques-uns à profiter de la lumière particulière du matin. Si je rencontre du monde à cette heure-là, ça veut dire que ce sont des gens qui recherchent la même chose que moi, c'est-à-dire une quiétude, juste un plaisir d'être sûr, d'être au bord de l'eau, d'être sur l'eau, d'être en Loire, quoi. C'est vraiment c'est un plaisir qui n'est pas évident à, qui est pas évident à décrire, mais... Quand on reste un peu plus d'une heure au bord de la Loire, on tombe vite amoureux du fleuve. C'était quoi ça? C'est juste une petite lumière dans les arbres là, qui est assez chouette. La Loire est le dernier grand fleuve sauvage d'Europe. Chaque été, le niveau de l'eau baisse et des centaines de bancs de sable se révèlent. Ils lui donnent un visage changeant et imprévisible. Jean-François connaît bien ses dangers et fait une première escale près de Chaumont-sur-Loire, sur l'une de ses grèves saisonnières. S'y aventurer n'est pas sans risque. Là, on est vraiment sur ce qu'on appelle en fait un cul de grève. Hein. Donc, c'est une zone qui est considérée en fait un petit peu comme dangereuse. C'est-à-dire que là où je suis, le sable, il est surtout pas mouvant. Mais par contre, le sable est un peu mou. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a autant d'eau que de sable. Et moi j'aime beaucoup parce qu'en fait, en ce moment, la Loire baisse quand même très vite. Et en l'occurrence, c'est des zones qui vont devenir très intéressantes maintenant pour tous les petits oiseaux qui nichent et qui se baladent sur les grèves, quoi. Le guide quitte maintenant le lit du fleuve. Pour la première fois cette année, il parcourt la petite forêt qui recouvre l'île. Après des mois de crue, la végétation y est luxuriante. Il veut y photographier ce petit scarabée, un oplia. Autrefois, on confectionnait des bijoux avec sa carapace. C'est un petit animal qui est vraiment magnifique.
très très coloré, alors un bleu un peu uniforme, mais très métallisé. C'est un bon indice de qualité au niveau de cette île, qui a bien évolué d'ailleurs, hein, puisqu'avant c'était un banc de sable ici. Hein. Au milieu, là, on venait faire des bivouacs, et puis là, c'est une belle surprise. C'est le charme de la Loire, finalement, c'est le côté surprise. C'est chouette. Ah, celui-là, super. Waouh. Alors lui, il fait... C'est l'opilien acrobate, celui-là. Il est incroyable. Hein. Ouais, on a l'impression qu'il fait de la muscu, quoi. Puis Jean-François reprend sa descente au fil du courant. Il rejoint un site préservé qu'il photographie en toute saison. D'ici, il peut se dissimuler pour ne pas effrayer les animaux du fleuve. C'est vraiment le principe de l'affût, hein, c'est-à-dire qu'il faut être vraiment bien installé, confortable, prendre ses précautions avant, et puis là on peut vraiment rester vraiment longtemps. D'autant plus que là j'ai vraiment plusieurs sujets potentiels. Je sais que j'ai les petites branches là au-dessus de l'eau où voilà, il peut y avoir de la bergeronnette qui se pose, même pourquoi pas des hérons, des aigrettes, des sternes. Hop, on a une aigrette qui passe là. Une belle petite aigrette. Des fois on reste 3 à 4 heures à l'affût puis on ne fait aucune photographie, mais en l'occurrence avec une lumière comme ça, une ambiance comme ça, le plaisir, malgré tout, le plaisir est là quand même. Même moment, à 80 km en aval. Nous sommes en Anjou et deux autres passionnés observent le fleuve depuis les airs. Allez, je te suis, tu m'emmènes ? Je vais faire un petit virage et venir me caler juste sur ta droite. C'est sympa de voler côte à côte. Sandrine et David Muselec sont angevins d'adoption. Toute l'année, ils parcourent l'Europe avec leur paramoteur. Il y a quelques minutes à peine, ils décollaient de l'aérodrome de Saumur. Ah, c'est super, on voit déjà le château. Depuis plus de 1000 ans, cette forteresse domine la cité. D'abord rehaussée par Saint-Louis, c'est à partir du XIVe siècle que se dessine cette silhouette exceptionnelle, avec ses hautes tours crénelées, ses mâchicoulis et sa véritable forêt de cheminées. Le roi René d'Anjou la surnommait le château d'amour. On a Saumur sous les pieds, et puis la Loire. Traverse la ville et donne vraiment toute sa vie à Saumur. Regarde, le château de Beaumont est à 1 km devant nous. Je vais passer sur la droite pour avoir une meilleure lumière, c'est joli. Puis à quelques kilomètres apparaît le château de Beaumont. C'est un parfait exemple de la transition entre le gothique angevin et l'architecture renaissance à la française. À l'état de ruine dans les années 60, le monument sort à peine d'une longue période de restauration. Je l'ai découvert l'autre jour en balade, ce château, il est magnifique. Regarde, tu as une église, un pigeonnier. Effectivement, il est splendide avec ses douves autour, ses jolis bâtiments, le pigeonnier. Attends-moi, tu files devant. Il
Il y a aussi un joli château, là, regarde, il est magnifique. Le couple survole maintenant le plus haut château de France, Brissac. Avec ses 7 étages, il culmine à 48 mètres de hauteur. Je tourne à gauche, tu tournes à droite. Allez, c'est parti. Nous sommes au mois de juin et dans le Saumurois aussi, le fleuve offre son visage estival. Regarde, on commence à apercevoir les bancs de sable. La Loire a baissé. T'as vu, ça commence à apparaître les nuances d'ocre et de vert sur les bancs de sable. Ça va être magnifique cet été. Les oiseaux vont enfin pouvoir venir nicher. Je pense qu'ils ont eu des problèmes cette année. On a vraiment une vue magnifique vue du haut. C'est un vrai bonheur de voler ici. C'est vraiment splendide. On peut voler toute l'année, quasiment tous les jours, et découvrir des paysages à chaque fois différents, selon l'heure du jour, la lumière du jour, la saison. On a vraiment beaucoup de chance d'évoluer dans ce cadre. David et Sandrine regagnent maintenant l'aérodrome. Ils sont attendus par Patrick Edgar Rosa, un authentique amoureux de l'Anjou. Bonjour Patrick. Bonjour Sandrine. Avec la pilote, Patrick va faire son baptême de paramoteur. Magnifique. Hein. Ouais, c'est bonjour la chance Patrick. Pour ton bonjour David. Vol, hein. Bienvenue. Tu vas bien. Merci. Tu vas voir, on va s'installer tous les deux devant. Oui, je vais t'attacher. Quand on sera prêt pour décoller, je lèverai la voile tranquillement. D'accord. Et si je vois que tout est OK, si ça me convient, je mets plus de gaz. D'accord. Et on est parti. Et on voilà. Bon. Bon, un peu d'appréhension ce matin ? Légère. C'est ton premier vol, c'est mon t'as jamais vol, volé mais j'ai un petit peu le vertige, c'est pas la d'accord. peine de le dire. D'accord, non mais tu verras, bah, le paramoteur c'est regarder le paysage de loin. Voilà, tu vas pouvoir passer ton bras voilà, ici. Ensuite, on met les cuissardes. Hop, elle est là. Voilà, c'est cherche. Comme les sièges enfants en fait. Oui voilà, tu bébé. Te retrouves sanglé comme un bébé. Voilà. Allez, ça ronronne, l'aile monte. Oh, oh. Ouais, je peux mettre gaz et hop, on décolle et tu vois, wow. C'est tout doux, oh, on est déjà décollé. On va faire un petit tour sur l'aérodrome pour oui. prendre de l'altitude et ensuite se diriger tranquillement vers la Loire et vers ton chez-toi. Alors, David est derrière nous. Le trio se dirige vers l'est et les coteaux calcaires qui dominent la Loire. Ici, à flanc de falaise, se dévoilent les entrées de centaines de cavités. Dans la région, un millier de kilomètres de galeries forme la plus grande concentration troglodytique d'Europe. Patrick Edgar Rosa se passionne pour cet habitat hors du commun. Est-ce que tu vois ces petites cavités là ? Oui. Ouais. Alors là, ce sont les premières habitations troglo. Avec son association Les Intraterrestres, il recense tous les souterrains. Grâce à lui, Sandrine peut apprécier la diversité de ces sites. J'avais jamais regardé sous cet œil-là et c'est impressionnant le nombre d'entrées de caves. Mais c'est un vrai gruyère sous les vignes. C'est magnifique. Tous ces petits trous, ben, ce sont des entrées de caves qui sont plus ou moins restaurées, plus ou moins visibles. Les gens ont aménagé les ouvertures. Oui, exactement.
Et ce que tu vois derrière, là, en fait, c'était des souterrains qui étaient réservés au XVIe et XVIIe siècle aux gens qu'on enfermait. Parce qu'à l'époque, on enfermait les malades, les fous, dans ces caves. D'accord. Je vais prendre un petit peu d'altitude pour qu'on voit ça de plus haut. Ici, pendant des siècles, les habitants creusent le coteau pour en extraire le tuffeau, une pierre calcaire à grain très fin, d'une blancheur exceptionnelle. C'est avec ce matériau que les bâtisseurs édifient les châteaux de la Loire, comme ici, à Montsoreau. C'est génial, hein, j'ai plus d'appréhension du tout. Nous sommes maintenant à 10 km à l'est de Saumur. Patrick fait découvrir au couple un étonnant édifice religieux bâti en équilibre sur une cavité. Là, on a donc l'église de Parnay, qui est située sur presque une bulle d'air, une bulle de vide, parce que c'était une ancienne carrière. Autour de Parnay apparaissent, vues du ciel, des dizaines d'habitats insolites. Mais là, il y a une maison dans le là, trou. Là, il y a une maison et il y a une piscine. Oh, c'est extraordinaire. Bah, ils ne sont pas gênés par les voisins. Patrick est tombé amoureux de cette région en découvrant l'univers particulier de ces logis troglodytiques. Aujourd'hui, pour la première fois, il va pouvoir survoler sa maison. Tu vois, je vois l'entrée de ma cour. Sandrine, pour David, on va partir légèrement à droite pour voir la maison de Patrick. Alors, je vais te refaire un petit passage. Oh, tu peux en refaire autant que tu veux. Hein. Alors, ma maison, je vois peut-être même mon chien. Le village de Parnay est célèbre pour sa quarantaine d'habitations enterrées. Patrick habite une maison traditionnelle typique du Saumurois. Si la façade bâtie contre la falaise est classique, l'intérieur est surprenant, avec ses immenses pièces aménagées dans le tuffeau. On est au cœur même ici de notre habitat troglodytique. Et là, on est vraiment au cœur de la roche avec un plafond hein, qui s'élève à une dizaine de mètres. Dans cette ancienne carrière, des familles de paysans ont vécu pendant plusieurs siècles. Là, on a un vieux four à pain avec une vieille cheminée qui doit remonter au 15e, 16e siècle. Et alors, qu'est-ce que c'est, ces trous qu'on voit partout? C'est vraisemblablement des trous qui permettaient de mettre des traverses en bois. Peut-être qu'il y avait un espèce de petit plancher au-dessus. Et là, vous avez des trous de plus petite taille. C'est bête, hein, le tuffeau, vous creusez, vous mettez un bâton et là, vous suspendez un jambon, un saucisson. Donc, en général, on trouve ça autour des cheminées. En s'enfonçant sous la roche, Patrick nous montre sa salle de bain. Voilà comment nous avons transformé en fait une ancienne étable en salle de bain. Ici, on avait une ancienne cuve à vin qu'on a percée de façon à pouvoir aménager une douche. Il peut faire un petit peu frais l'hiver, mais la température est quand même de l'ordre de 13-14 degrés sans chauffage. Bon, quand on rentre dans la salle de bain, on se plonge dans un bain et après on a une sensation de bien-être. On peut faire un rapprochement avec le ventre maternel puisqu'on a ces espaces qui sont confortables, qui sont douillets, qui sont rassurants. Il faut s'éloigner encore plus de la façade pour saisir la vraie nature des constructions troglodytiques. Des centaines de mètres carrés de souterrains creusés pour extraire le tuffeau. Les propriétaires peuvent mettre plusieurs années pour découvrir toute l'étendue de leur domaine.
Et quand vous êtes rentré la première fois, vous avez eu quoi comme sensation ? Saisissement. Le saisissement, parce que c'est une pièce qui est majestueuse, qui est grande. Et là, on a vraiment... Enfin, moi, je me sens tout petit, je me sens humble par rapport à cette roche. De l'extérieur, la maison ne donne pas du tout l'apparence d'avoir à l'intérieur un tel volume. L'extérieur, c'est un peu la petite partie de l'iceberg. Et là, on est vraiment dans la face immergée de l'iceberg. Patrick sillonne régulièrement le Val-de-Loire pour son site internet Les Troglonautes. Pour son inventaire, il est attendu dans un lieu exceptionnel. Quand j'avais 16 ans, en fait, je faisais de la spéléo à l'époque. Et ça a été mon premier contact avec le monde souterrain et je m'y suis senti... très très bien, j'ai toujours aimé la pierre, j'ai toujours aimé la roche. Et quand je suis arrivé dans la région, ben là ça a été le coup de foudre. Donc on a acheté un troglo, deux troglos, trois troglos. Et voilà, maintenant je suis un fondu de troglo. Longtemps cachées ou laissées à l'abandon, ces maisons enterrées sont de nouveau au goût du jour. Et certaines sont transformées en hôtels et en gîtes. Les petits villages accrochés aux falaises revivent. Depuis une quinzaine d'années, grâce à des actions de particuliers, de passionnés, on a remis le troglodytisme à l'ordre du jour, et notamment tout le Saumurois, où il y a de beaux exemples maintenant de rachat, de restauration, de travaux entrepris pour redonner vie à cet habitat. Patrick quitte maintenant le Coteau et la Loire en direction du sud de la région. Ici aussi, des milliers de kilomètres de galeries ont été creusées. Ce sont des fermes troglodytiques de plaine, comme à Saint-Georges-des-Sept-Voies. Pendant des siècles, ils servent d'habitat principal aux paysans, et plus de la moitié de la population vit sous terre. Cette architecture sans architecte est simple. C'est la fosse, obtenue par l'extraction de la pierre, qui sert de cour de ferme. L'été, les caves sont fraîches, et l'hiver, elles protègent des intempéries. Hommes, femmes, enfants et animaux cohabitent dans le même souterrain refuge. Les dernières familles de troglodytes y vivent jusque dans les années 60. Patrick se rapproche maintenant du plus beau site de l'Anjou, à Douai-la-Fontaine. La petite ville abrite un véritable trésor, une ancienne carrière de Falin, une pierre moins noble que le tuffeau. Il a rendez-vous avec Laurent Aubineau, qui gère ce souterrain exceptionnel depuis plus de 20 ans. Derrière l'ancienne porte d'accès apparaissent ce que l'on appelle ici les caves cathédrales des Perrières. Tuffeau, Falin, avec toutes leurs différences. Ouais, leurs différences. Ces salles gigantesques, couronnées d'imposantes ogives, culminent à 20 mètres de hauteur. Ces carrières, ici, elles ont été creusées en fait, par des paysans. Ce sont en fait, des agriculteurs qui ont eu cette idée de génie d'exploiter la pierre en fait, par de petites tranchées, l'hiver, hein, sous leurs champs, pour pouvoir conserver les champs cultivables. Ils faisaient des petites tranchées d'un peu plus d'un mètre de large sur plusieurs mètres de long, se glissaient dans ces tranchées et extrayaient après en évasant, en formant cette ogive, cette bouteille. Moi, ça me fait penser à une sorte de vaisseau. C'est vrai. Hein. En plus, elle est belle, cette pièce. Cette pièce est très, très belle. Les pierres, par exemple, dans le tuffeau, on a une certaine signalisation. Laurent peut retracer l'histoire des hommes qui ont travaillé ici
il y a plusieurs siècles. Là, il y a quelques salles où on retrouve des traces justement de l'extraction, des coups de pique, des coups d'outils qu'on voit très nettement, ouais. Même des signatures de carrières. Et là, tu as même une salle qui est datée, qui est signée là. Oh là là. Toi, on est en 1779. C'est quoi IPGR? C'est les... Ah, IPGR, en fait, ce sont les initiales des deux ouvriers qui ont extrait la pierre, là, en 1779. D'accord. Dans cette salle-là. Là. Ouais. Et dans d'autres, on aura même un visage, une c'est tête. C'est ce que je vois là-bas? C'est ce que tu aperçois là-bas. On imagine la personne qui était là, il y a un ou deux siècles, qui était en train de travailler dans des conditions difficiles. Et donc, quand on ne sait pas écrire, on ne signe pas en mettant son nom, mais en mettant une griffe, un visage, quelque chose de particulier, d'original. Quand je rentre ici, j'ai l'impression de me trouver dans un temple. Tu vois, avec toutes ces salles qui sont majestueuses. C'est exactement ça. Voilà, ça c'est extraordinaire, ça. On se retrouve brutalement en Égypte ou à Petra, enfin... C'est exactement ça, ouais. C'est là qu'on comprend justement l'appellation tu as donnée par les gens de Douai, de cathédrale. Hein. Ouais. Une grande ogive comme ça, avec... on imagine des colonnes à la place de chaque pilier, là. Ouais. Ou un temple, ou... Ouais. Avec 50 salles ouvertes au public, les caves cathédrales des Perrières constituent le plus grand espace troglodytique de France. Ça continue loin, les caves encore? Ça va loin encore, oui. Il faut imaginer qu'on n'en voit pas 10% quand on fait ce circuit-là, quand on fait ce parcours. Ouais. Il y a 400 salles, entre 450 et 500 salles, 400 comme celle-ci autour de nous, là. C'est une ville sous la ville. Ouais. Ah, là, je t'emmène en fait dans un des quartiers les plus anciens de Douai. On retrouve des maisons d'ailleurs assez anciennes. Ouais. Un peu plus tard, Laurent fait découvrir à Patrick un site majeur au cœur de la petite cité. Personne, en fait, ont eu la chance de découvrir. Oui, toujours. Et c'est pas fini. Anne est commerçante. Oh, cette descente. C'est en achetant il y a quelques années sa maison et un magasin qu'elle est devenue propriétaire de cette étonnante cave. Et voici la salle principale de cette cave. À une dizaine de mètres sous terre, cette immense pièce, une ancienne chapelle de plus de 100 mètres carrés qui donne accès à des dizaines de galeries. C'est grand, c'est haut, c'est beau, c'est magnifique. C'est assez époustouflant. Ouais, c'est vrai. Et quand vous retournez derrière vous, les belles ogives, c'est magnifique. Oh là là, le meilleur pour la fin. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces petites niches romanes sont en fait des canons à lumière. À l'époque, ils étaient reliés à des puits de jour en surface. 'ici, des tunnels partent dans toutes les directions, sous le village. On retrouve des petites alcôves qui ont pu servir de dépendance, on a pu mettre des animaux, il y a des cheminées, il y a des puits. On peut imaginer aussi une partie de la population qui a pu se réfugier, puisque le réseau il est gigantesque. Pendant près de 1000 ans, les habitants de Douai-la-Fontaine utilisent ces souterrains pour vivre et se déplacer, tout en se protégeant de leurs ennemis. C'est un très beau jeu de loi. À chaque case, à chaque découverte, on avance un peu plus dans la connaissance de l'homme et dans la connaissance de la roche. Enfin, voilà, c'est magique, c'est fabuleux. Nous quittons maintenant le Saumurois pour retrouver la Loire et Jean-François Souchard, le guide photographe. Porte de la Touraine, il est à pied d'œuvre. Ah, on les prend à 4 ou 6, même s'il y a besoin. Hein. Ouais, en principe, il n'y a pas de souci. Il encadre aujourd'hui 6 privilégiés pour une exploration de 3 jours en complète autonomie. Ça fait quoi comme poids, ça? C'est surtout qu'il est chargé. Sur une quarantaine de kilomètres, ils vont découvrir les caprices de ce fleuve imprévisible. La Loire est le plus long cours d'eau de France.
Elle est réputée pour ses crues qui peuvent atteindre 7 mètres d'amplitude. Regardez quand même les branches qui sont accrochées dans l'arbre. Il y a un petit mois, l'eau montait largement à cet endroit-là. Hein. Voilà. Ça donne déjà une idée d'un petit niveau. Elle est montée beaucoup plus haut que ça, en fait. Hein. Mais là, déjà, c'est pas mal. Quand je suis devant le groupe, en permanence, je jette toujours un petit coup d'œil à la fois sur ce que je peux montrer autour et aussi à la fois sur le côté sécurité de la chose. La Loire, c'est pas une piscine ou c'est pas le Rhône, c'est pas une rivière ou un fleuve canalisé, donc il y a plein de différences de profondeur. Il y a malgré tout des petits courants, donc on va appréhender ça vraiment tranquillement avec le groupe. Donc vous voyez ça, ça paraît pas spécialement dangereux. Là, il y a vraiment beaucoup d'eau et la force du courant va. Là, vous allez vous retourner quoi. Après une heure de navigation, Jean-François débarque avec le groupe sur un banc de sable où subsistent les vestiges d'une drague. Cette machine a servi à exploiter le sable du fleuve. Quand j'ai commencé le canoë, il y avait des dragues vraiment partout. C'était sur 100-200 mètres. Il y avait, imaginez, des gros godets qui allaient creuser au fond de la Loire et qui creusaient. Sur près de 300 km entre Nevers et Saumur, des centaines de dragues comme celle-ci ont ratissé les fonds. Depuis 1992, il est interdit de prélever le sable de la Loire. Donc voilà, c'est intéressant parce qu'on est au milieu du dernier fleuve sauvage d'Europe. Mais malgré tout, quand on regarde un petit peu, on trouve énormément de traces d'activité humaine. Avec la fin du dragage, le niveau de l'eau remonte et l'équilibre écologique du fleuve se restaure. En l'an 2000, l'UNESCO inscrit le Val de Loire sur la liste du patrimoine mondial pour préserver cet environnement exceptionnel. Aujourd'hui, les randonneurs peuvent découvrir un fleuve sauvage et vivant. Moi, ce qui me plaît, c'est les étendues d'eau. On n'a pas ça chez nous dans la Drôme et j'aime cette grande surface d'eau qu'on n'a pas. Donc c'est la rivière qui court et du coup, ce n'est pas du tout les mêmes paysages, pas du tout les mêmes reflets. C'est magnifique. La matinée avance, le groupe atteint Chaumont-sur-Loire, le premier château de son périple. Il est édifié à partir du Xe siècle par les comtes de Blois pour se protéger des incursions angevines. Au XVIe, ce modèle de l'architecture de la Renaissance abrite la cour de la reine Catherine de Médicis. C'est vrai que c'est le premier beau château qu'on peut, quasiment sous lequel on peut presque on peut passer. Et puis c'est vrai que là, c'est ici, on est vraiment à une petite transition finalement. On ouvre la porte de la Touraine. À quelques centaines de mètres du monument, Jean-François connaît une grève où se détendre pendant les heures les plus chaudes de la journée. Mais malgré les apparences, il faut se méfier du courant. Se baigner est un bon moyen pour apprendre à déjouer les dangers du fleuve. Elle est bonne, hein? Ouais. J'ai pas allé jusqu'au banc de sable. J'avais peur de me faire déporter sans avoir pris là-bas. Je me sentais pas. Faut faire vraiment gaffe parce que jamais c'était bon, super vite. Hein. Ouais. C'est intéressant pour les gens qui m'accompagnent de se rendre compte que. Bah que même là où c'est très paisible, il fait plus de 30 degrés, on a l'impression que voilà qu'on peut y aller sans aucun souci. En fait, faut faire attention. Un espace de liberté incroyable, mais il faut connaître quoi. En fait. Le groupe quitte maintenant Chaumont-sur-Loire et doit encore naviguer 5 km pour rejoindre le bivouac du soir. Et là, on va pas tarder à chercher une île pour passer la nuit. Ah,
superbe ça. Là, c'est le spot nickel. Ah ouais, très très chouette. Ah, c'est encore plus joli de l'autre côté là. Est-ce que ça vous convient du coup ? Ouais, c'est bien là, c'est plat. Donc voilà, du sable, du bois, suffisamment de bois pour faire un petit feu alimentaire. Et puis bah, demain, je pense qu'on va avoir un lever de soleil vraiment, vraiment magique sur la grève là. Ouais. À peine arrivé, il faut monter un tipi que Jean-François a rapporté du Québec, où il a passé plusieurs années. Ça va les gars, pas trop chaud ? Pour le dîner, le guide a aussi ses petites habitudes. Saucisse classique aux herbes, saucisse au piment d'Espelette et du lard mariné. Allez. C'est royal, en même temps on est dans la vallée des rois. Alors, ouais. Ouais, je pense qu'elles sont nickel. La dernière fois que j'ai dormi à la Belle Étoile, c'était il y a plus de 15 ans, quand j'étais ado et qu'on faisait les nuits des étoiles filantes au 15 août. Donc là, ça va me rappeler des bons souvenirs déjà. Mais moi, ça fait pas 15 ans, ça fait 40 ans que j'ai pas été sur une île manger ma saucisse et ma grillade. C'est pas toi. Ça me rappelle ma jeunesse. La nuit commence à tomber. Les Toux, ces grandes barques traditionnelles de la Loire, regagnent leur port d'attache. Tout le monde s'est bien brossé les dents ? Ah oui. Bien sûr ? Ah oui. Trop sûr, non ? Pour l'impression. Ce soir, la température est clémente. Le groupe peut dormir à la Belle Étoile. Meilleur moment de bivouac. Puis là, c'est vraiment un régal. C'est un vrai plaisir de dormir sous une toile. Mais regardez-moi ça, ça vaut tous les hôtels 4 étoiles du monde, ça. Bien souvent, je me demande quand même, quand je suis là, si vraiment c'est mon métier ou si c'est... Ou finalement, si c'est un loisir, ou c'est, je suis souvent un peu à cheval entre les deux. Donc, ouais, en tout cas, c'est un des plus beaux métiers du monde. Ouais. À partir du moment où déjà on partage quelque chose, je pense que c'est déjà, on a déjà de la chance. Au lever du soleil, le spectacle est grandiose. Les randonneurs savourent ces instants magiques avant de repartir doucement pour une deuxième journée au fil de l'eau. Maintenant, leurs gestes sont plus sûrs et ils peuvent profiter pleinement du panorama. Moi, j'aime bien quand on quitte un bivouac, quand on se remet à flotter dans le bateau et qu'on repart comme ça et on sait finalement qu'on va juste basculer d'une île à l'autre. Vous avez vu le héron ? Le héron tout droit devant. C'est génial. Là, on approche assez près. Je pense que je ne verrai plus la Loire de la même façon. C'est vraiment vaste, c'est vraiment un grand espace naturel. C'est un élément fort qui nous fait du bien, juste par sa présence. Au détour d'un méandre, apparaît Amboise avec sa forteresse. Elle est résidence royale sous les règnes de Charles VIII et de François Ier. Sa cour attire alors les plus fins lettrés et artistes européens.
Léonard de Vinci y passe la fin de sa vie et repose dans la chapelle du château. Ces magnifiques jardins panoramiques dominent toujours la Loire. Il y a une quinzaine d'années, je me disais que j'allais quand même vite arriver finalement au bout du sujet. Et puis en fait, c'est infini, infini, infini. Je pense que j'aurais pas assez d'une vie pour couvrir toute la Loire. Entre Tours et Angers, autour du fleuve, s'étend l'un des plus grands parcs naturels régionaux de France. Cet immense territoire de près de 3000 km² abrite un patrimoine bâti exceptionnel, avec plus de 400 monuments protégés. Comme la ville close de Montreuil-Bellay et sa forteresse bâtie au XIIe siècle. C'est l'une des dernières cités fortifiées de l'ancienne province d'Anjou. Le parc abrite aussi quelques-uns des plus beaux châteaux de la Loire. Voici Azay-le-Rideau, édifié à la Renaissance sous le règne de François Ier. Et le château de Villandry, avec ses 4 niveaux de jardins extraordinaires. Le parc est également un vaste territoire agricole. Depuis le XVe siècle, on surnomme cette région les Jardins de la France. C'est ici, au cœur des champs de céréales du sud de l'Anjou, que vit un oiseau menacé, un petit rapace, le busard cendré. Avec la disparition des friches et des marais où il avait l'habitude de nicher, il installe désormais son nid au milieu des blés, à même le sol. Mais au cœur des cultures, les œufs et les juvéniles sont menacés par les machines agricoles. Thierry Printemps est ornithologue amateur. Depuis plus de 20 ans, il se bat pour la protection des busards. Ce matin, il veut inspecter un nid dans cette parcelle qui doit bientôt être moissonnée. Deux poussins y sont nés il y a 2 jours à peine. Ils sont trop jeunes pour voler et risquent d'être happés lors de la fauche. Les busards cendrés n'ont pas d'odorat. Pour les protéger, Thierry marque l'emplacement du nid. Autour de ce nid-là, on a mis 4 bambous pour signaler à l'agriculteur où se trouve le nid. Ça va lui permettre, au moment de la fauche, de repérer mes bambous et donc d'éviter le nid va faire toute la fauche tout autour sans toucher à la partie où il y a le nid. Dès l'arrivée des busards en avril, Thierry observe l'activité des adultes au-dessus des champs. Là, il arrive. C'est le seul moyen pour repérer l'emplacement exact des nids. Il est sur le. Ils sont en train de chasser. Avec Vincent, un jeune stagiaire, ils en ont déjà repéré une 40 dans le secteur. En vivant au cœur des cultures, les busards débarrassent les plantations des nuisibles. La particularité qu'il a, c'est de voler au ras du sol pour chasser. Et il va se nourrir de campagnols, d'insectes, principalement de très petites proies. Thierry doit convaincre les agriculteurs qui travaillent au cœur du parc de l'utilité de ce rapace. Bonjour Hervé. Bonjour. Aujourd'hui, ils sont une trentaine comme Hervé à être impliqués dans la protection de l'espèce. On est directement concernés quand même, nous les agriculteurs. On a été quand même envahis par les campagnols et
Bon, c'était tout intéressant de les avoir pour faire le nettoyage de la parcelle. C'est un bel oiseau, il a un bel envol, oui. Sa façon de planer, là, de tourner autour de nous, oui, c'est agréable à voir, oui. Et bon, bah, si on peut aider à les sauvegarder, c'est tout gagnant pour nous, quoi. Nous sommes un mois plus tard, les blés ont mûri. Les récoltes vont bientôt commencer. Pour Thierry, c'est le moment d'intervenir. Dans ce champ de plusieurs hectares, il doit retrouver trois petits pour les protéger avant l'arrivée des moissonneuses-batteuses. Un peu marche des canards, mais le tout, c'est de ne pas laisser trop de traces. Ouais. Hop. Super poussin. Donc ça, c'est un mâle. Un petit mâle avec l'iris gris. Hop, l'affaire est dans le sac. Il commence par prélever délicatement toute la nichée. Ah, celui-ci est très nettement plus petit. Et là, il a 17 jours. Donc on voit que les plumes ne sont pas du tout développées et la queue, c'est pareil. La queue est toute petite en tuyau, là. En 13 jours, il vole. Il est comme ça et dans 13 jours, il arrive à voler. C'est prodigieux, ça, quand même. Lorsqu'il s'envolera, ce poussin aura doublé de taille. Rapidement, Thierry et Vincent fabriquent une cage de protection pour y placer les jeunes rapaces. Et un bonnet douillet pour les petits busards. Transport gratuit. Attends, je suis un peu loin. Ah. Ouais, c'est bon. Ils installent ensuite l'abri à l'emplacement initial du nid. Donc tu pousses carrément vers moi, à fond. Vas-y, pousse à fond, pousse à fond. Là, c'est bon, c'est bon. Depuis les airs, la mère des petits surveille toute l'opération. Malgré cette intrusion, elle reviendra s'occuper de sa nichée. Alors la bonne solution, hein, c'est toujours de les attraper de cette manière-là, avec les deux doigts autour de la tête, de le retourner et il ne bouge plus. Avec cette technique, l'agriculteur ne perd qu'un mètre carré de blé. Demain, il pourra moissonner son champ en contournant la cage et les poussins seront sauvés. Sans l'action de ses bénévoles, le busard cendré disparaîtrait de la région. Nous laissons les terres agricoles du sud du parc pour reprendre la direction de la Loire, où d'autres passionnés protègent un oiseau emblématique du fleuve. En chemin se dévoile l'étonnant château de Brézé, avec ses douves sèches de 18 mètres de profondeur. Ce sont les plus vastes d'Europe. Bâti à partir du XIe siècle, il se dresse sur un immense réseau de galeries creusées en étoiles tout autour du monument. À 10 km au nord de Brézé, toujours au cœur du parc naturel, apparaît la Loire. Ces îles abritent une espèce vulnérable, la sterne. Ce petit oiseau migrateur revient chaque année au printemps. On le surnomme l'hirondelle de mer. Et il est devenu le symbole du Val de Loire. Comme les busards, les sternes nichent à même le sol. Sur les grèves, elles sont à la merci des crues, des prédateurs et des promeneurs. On va
avoir tous les 40. Sous le pont de Montsoreau, une poignée de volontaires de la Ligue pour la protection des oiseaux s'active pour une opération qui n'a lieu qu'une fois par an. Ils vont poser des pancartes pour avertir de la présence des sternes. Ils doivent faire vite pour ne pas les effrayer. Les adultes pourraient fuir les nids et abandonner leurs œufs. Le temps est très compté, c'est pour ça qu'on va essayer d'être hyper efficace. On se répartit les piquets. En gros, les secteurs sont déjà identifiés. Et là, on va marcher, planter. Et puis partir le plus vite possible de la colonie. En moins d'une heure, les bénévoles plantent une trentaine de panneaux. Pendant l'été, les îlots de Loire sont accessibles au public. Alors il faut sensibiliser les vacanciers. Les panneaux, ça reste aussi informatif. Ça veut dire, un panneau, on le place et c'est au bon vouloir des personnes de le respecter. Donc on espère que ça suffira pour cette année. Non, elle devrait pas s'en aller, celle-là. Je pense qu'il faut pas traîner. On les a suffisamment embêtés pour la journée. Quelques jours plus tard, la saison estivale débute. Sur le sable, les sternes ont entamé la couvaison. Et les œufs vont bientôt éclore. Pour le groupe, c'est un grand jour. Ils assistent à la naissance des premiers poussins de la saison. Ah ouais, elle est suivie là par les deux jeunes. Il y a deux poussins. Ils sont pas grands. Hein. Ah, et si tu remontes, à droite. Ah oui. C'est un peu la couleur du sable. Un tout petit peu seulement. On les repère parce qu'ils suivent les parents et qu'ils bougent. C'est un petit caillou qui bouge. S'ils bougent pas, c'est impossible à voir. Lucille travaille pour le parc depuis 4 mois. Pour cette Parisienne d'origine, c'est une découverte. C'est les premiers poussins de sternes que je vois, les premières sternes aussi. Ouais, là, je comprends mieux pourquoi on parle du fleuve sauvage, de la Loire magique, enfin un petit peu tout ce qu'on peut en entendre, mais je commence à le comprendre, à le voir surtout. Damien, lui, redouble de vigilance. Il sait qu'avec les vacances, les touristes investissent les bords de Loire. Comme ces deux pêcheurs qui, sans le savoir, passent à proximité des nids. Colonie de sternes ! Il faut revenir par ici et longer ! Voilà ! Ouais, passez au bord ! Bonjour ! Donc chaque année, en fait, on installe les panneaux de manière à préserver la colonie. Et puis, le fait après, c'est d'éviter en fait, de pénétrer vraiment au cœur de la colonie. Tant qu'on reste en gros entre l'eau et les panneaux, le risque est relativement limité. Voilà, on essaye de sensibiliser tout le monde. Okay. Ouais, n'hésitez pas à passer l'info. Quoi. Oui, pas de soucis. Non, mais on ne savait pas du tout. Ouais, maintenant, on passera sur les bords, puis ou soit on repassera pas du tout là parce que ça n'a pas mordu alors. On laissera quoi. On changera de poste. Donc attention aux orties, du coup. Merci. Un peu plus tard, Damien et Lucille se rendent sous le pont de Saumur. Du décotonnement au moins des sternes. Ils sont inquiets. Il y a quelques jours, une colonie entière de sternes a déserté les lieux. Malgré les panneaux qu'ils ont posés, ils constatent des traces de passage. Ah oui, on les voit bien les traces de pas juste derrière le panneau là. Je trouve que c'est un peu rageant voilà, de voir que ça tient à pas grand-chose, le maintien de ces espèces tient à pas grand-chose. Les gens n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Et on aimerait que il y ait vraiment cet engouement et que les gens prennent conscience de ça et s'approprient eux-mêmes le patrimoine qui fait partie de leur environnement direct. Sans ces petits cris-là, la Loire, elle a pas le même goût, elle a pas la même odeur. Quoi. C'est une espèce assez emblématique, c'est peut-être pas la seule, mais elle est emblématique de toute la Loire.
Dans le Maine-et-Loire, sur les plateaux fertiles qui bordent le fleuve, on cultive la vigne depuis l'époque romaine. Saumur-Champigny, Coteau du Layon, Cabernet d'Anjou sont autant d'appellations qui font la réputation du Val de Loire. Cet immense territoire viticole s'étend jusqu'aux portes d'Angers, la capitale historique de l'Anjou. Au nord de la cité se dresse l'abbaye Saint-Nicolas. Ses jardins recèlent un trésor méconnu. Un vignoble millénaire, l'une des dernières vignes urbaines de France. Ici, les communautés religieuses ont longtemps élaboré des vins de table et des vins de messe. Aujourd'hui, cette plantation sort de l'oubli grâce à l'énergie d'une équipe d'Angevins. On va commencer par le bout, on va remonter. Sébastien Couvreur est ingénieur agronome. Il a créé, il y a 3 ans, l'association Vigne en Ville. Ce matin, il a donné rendez-vous à une vingtaine de bénévoles dans la parcelle. Au programme, désherbage et effeuillage. C'est, vous pouvez épamprer, c'est-à-dire que quand il y a des départs sur le pied de vigne, là, vous pouvez retirer là. Ouais. Et je vous rappelle qu'on n'est pas là pour cueillir les champignons. Hein. Ils ont 7000 pieds de vigne à entretenir. C'est un vrai défi pour ces apprentis viticulteurs. Ici, pas de machine, tout se fait à la main. Donc voilà, parfait, un rang de fini, plus de 40. Katia travaille dans l'enseignement. Elle a intégré l'association il y a 2 ans. C'est bien, quand on fait quelque chose qui ne demande pas de réflexion, on se vide aussi la tête. On est voilà, accroupi. Nous, on n'a pas de jardin, donc... On a juste une cour qui n'est pas verte. Donc ici, c'est un peu notre petit coin de verdure dont on a besoin quand on vit à la ville, quoi. Michel est urbaniste et amateur de vin. Il découvre ici les gestes des vignerons. Je m'aperçois que c'était facile de boire un verre. Et quand on pense au travail du viticulteur et du vigneron... Il y a du labeur derrière, je le savais, mais là, je l'appréhende plus. Ce vignoble atypique d'à peine 1 hectare s'étend en partie à flanc de coteau. C'est un lieu magique au cœur de la ville. Et oui, c'est un coup de cœur pour l'endroit parce qu'on a 1 hectare de vigne au milieu de la ville, ce qui fait que quand on est là, on est... au milieu de la campagne et pourtant au milieu de la ville. Donc ce qui fait qu'on entend les oiseaux chanter, quand on lève la tête et qu'on retrouve les HLM en face, on est presque surpris en se disant mais on est encore en Angers ici. Enfin, c'est exactement ce qu'on voulait, un lieu emblématique, pas forcément très connu à Angers et pourtant qui vit avec les Angevins. Enfin, voilà. La journée avance. Guillaume est venu en famille. Cette année, il participe à sa 3e cuvée. Ça repousse assez rapidement. Le lierre, c'est très joli hein, sur les murs, mais dans les vignes, c'est moyen. Et la récompense, c'est le vin ? Ah oui ! Celui-là, on l'attend toujours avec impatience. Non, bah, c'est vrai que c'est toujours se dire auprès de... On ouvre cette fierté, quoi. D'ouvrir une bouteille pour ses amis, pour sa famille. Et puis, ouais, bah, j'ai participé à l'élaboration de ce vin. Ah, tout de suite, il y a une certaine fierté quand même, c'est sympa. Très très sympa. Bon, j'aurais besoin de 4-5 personnes pour venir m'aider à soutirer les barriques. Il y a des volontaires. Dans l'après-midi, David, l'œnologue de Vigne-en-Ville, emmène les bénévoles vers l'autre trésor de l'abbaye. Cette cave, creusée directement dans le schiste.
C'est ici, à l'abri de la lumière, qu'ils conservent le fruit de leur travail. Vous pouvez poser les seaux par terre. Ensemble, ils vont goûter pour la première fois la production de l'année précédente. C'est un moment solennel pour ces amateurs. Belle robe, oui. Alors, belle structure, j'aime beaucoup ces structures en bouche, encore un peu vif, mais donc ça va être pas mal. On est vignerons. Non mais voilà, c'est l'idée quoi, c'est vraiment de vivre ensemble l'histoire de l'élaboration d'un vin, vraiment de la taille jusqu'à la mise en bouteille quoi. Et enfin, puis forcément la dégustation. Le raisin, on le bichonne, on l'élève comme son enfant, donc on l'aime forcément quoi. C'est votre vin quoi, c'est votre bébé. Et quelque part, oui. Ça fait chaud au cœur, oui. Pour accélérer la fermentation, le vin doit être soutiré puis transporté dans un autre chai. Il y gagnera quelques degrés. Le balai commence. Les bénévoles se relaient pour transporter le précieux nectar. On fait attention à ne pas renverser là. Oui. C'est une opération délicate. La moindre erreur peut altérer le goût du vin. Alors là, ce qu'il faut du seau, parce que le sol du chai est un peu terreux, donc du coup, ça permet d'être sûr qu'il n'y ait pas de poussière qui tombe au fond de la cuve quand on verse. Pour ne pas trop l'aérer, Michel a sa petite astuce. Là, je le fais couler sur la paroi pour pas qu'il soit trop brassé. En une heure, les amateurs déplacent plus de 600 litres. Cette année, l'association espère produire 1000 bouteilles. Une cuvée baptisée Cœur d'Angers. Ils sont vides ! Mais où est-ce que vous avez vidé ça ? Ces journées de travail à l'abbaye Saint-Nicolas se terminent toujours par un pique-nique à l'ombre du figuier centenaire. On se retrouve tous ensemble, c'est hyper convivial. C'est ça aussi qu'on voulait remonter en place cette association. C'est vraiment le partage de bons moments, de bons produits. Du bon vin. Du bon vin. Ça, c'était l'espérance au départ, que ce soit du bon vin. Maintenant, on est content, ça se réalise. Dans le centre d'Angers, l'association s'est vue confier une nouvelle mission. Redonner vie à la vigne du château. Avec sa muraille de 40 mètres de hauteur et ses 17 tours, l'ancien palais du roi René d'Anjou abrite lui aussi une parcelle de vigne. Une culture voulue par le souverain lui-même au XVe siècle. Perché sur le rempart est, ces 150 pieds ont longtemps été laissés à l'abandon. Aujourd'hui, Vignanville est chargé d'en prendre soin. Comment ? Ah, peut-être. Ah oui, là. Ouais. C'est la mission bonus. Quand on est ici, c'est encore une autre tranche d'histoire. Enfin, voilà, le château d'Angers, c'est quand même l'élément central de la ville. Là, on voit que lui. Il est assez imposant et majestueux, et là on est en plein dedans et on est dans la vigne du château. Et c'est tout nouveau pour nous et on se bat presque pour venir. Quoi. Donc, cette vigne dans le château du roi René, voilà, il fallait qu'elle vive. Quoi. Donc, il nous manque maintenant à réussir à faire le vin qui va avec, mais, mais là on aura vraiment l'essence même de l'Anjou. Quoi. Voilà.
Ce matin, les bénévoles replantent une trentaine de pieds de chenin blanc, le cépage emblématique de l'Anjou, présent dans la région depuis le 6e siècle. Tu le poses dedans délicatement. Hop. Pour ce moment important, même les plus jeunes participent. Ça ? Ouais, vas-y. Puis on va bien tasser. Alice n'a que 13 ans. Ça te plaît de faire ça, Alice ? Oui, j'aime bien. Ça m'amuse le week-end. De participer comme ça, j'aime bien. Et tu goûtes le vin, non ? Non. Le jus de raisin ? Le jus de raisin, oui. Et vous, Claude, c'est important aussi de montrer... C'est bien de montrer aux enfants comment faire pour perpétuer la tradition. Alors maintenant, il faut que tu serres avec tes pieds. Prends tes pieds, ça sera plus facile. Les prends pieds. Ton pied. Ouais, tu appuies. Comme tu as des petits pieds, c'est bien, ça va bien serrer les racines. Voilà, très bien. Tu redresses un petit peu. Voilà, parfait. Faut vous mettre de l'eau, là ? Oui, s'il vous plaît. Il y a assez de l'eau de là. Par leur travail, Sébastien et les bénévoles de l'association écrivent une nouvelle page de l'histoire viticole de la région. Ils devront attendre encore 3 ans avant de pouvoir goûter la première cuvée du Château du Roi René. Au pied de la forteresse coule la Maine, la plus petite rivière de France. Elle se jette dans la Loire après seulement 12 km de parcours. Sur la rive, à quelques centaines de mètres de la vieille ville, apparaît sur son éperon rocheux l'ancien couvent de la Baumette. Creusé dans le schiste à partir du 15e siècle par les frères Cordeliers, il accueille ensuite des moines bénédictins, puis des récollets. À la Révolution, le monument est vendu comme bien national. En 1830, un riche Angevin rachète la Baumette et la sauve de la destruction. Depuis la fin du 19e siècle, la préservation de ce monument se confond avec l'histoire d'une famille. Aujourd'hui, ils sont 6 frères et sœurs à perpétuer cette tradition. Ce matin, sur la terrasse principale, Yolande, sous l'œil attentif de sa sœur Monique, blanchit la pierre de tuffeau d'une rambarde. C'est pas du tout ce qu'il faut. C'est pas du tout les instruments qu'il faut, mais j'ai rien d'autre. Là, c'est un peu avec les moyens du bord. C'est toujours avec les moyens du bord à la Baumette. C'est toujours à partir de ce qu'on a. Là, la preuve, c'est une râpe à bois. Et là. Le couvent est édifié avec une technique de construction exceptionnelle pour l'époque. Les bâtisseurs doivent d'abord creuser le rocher à coups de pique, puis extraire plus de 50 000 tonnes de roches. En utilisant ces pierres, ils peuvent construire les murs et aménager les terrasses et les jardins sur 14 niveaux. Mais avec ses 6 corps de bâtiment et ses 1500 mètres carrés, la Baumette est un vaisseau de pierres difficile à entretenir. Alors, pour préserver le monument, l'association de l'ancien couvent de la Baumette est créée en 2007. Pour en faire partie, une règle s'impose. Il faut être membre de la famille. Aujourd'hui, ils sont une trentaine à se retrouver pour la première fois de l'année. C'est comme les soldes, hein, tout doit disparaître. Petits-enfants, cousins, frères et sœurs, ils doivent nettoyer l'imposante muraille de schiste. On est tous ensemble, et puis c'est pas non plus revenu tous les samedis. Hein. On fait ça, un gros coup de ménage au printemps, et quand il y en a besoin. Quoi. Voilà, chacun met, dans la mesure de ses moyens et de son temps, donne un petit peu. On vient pas souvent, donc dès qu'on est là, on essaye tous
de faire avancer les travaux. Depuis tout petit, ouais, on passait les vacances ici, avec tous les cousins, on s'amusait tous ensemble. Puis c'est une grande famille. On est plusieurs dizaines, on est 50, 60. Ça permet aux plus jeunes de se rendre compte que c'est bien d'être là, qu'on est bien là, mais il faut s'en occuper du lieu. Il faut s'investir. Sur l'ancienne terrasse des moines, Jean-Marie, l'un des beaux-frères, apprend à son fils à fendre le bois. Là, du truquet. Mathieu est venu de Paris avec deux amis pour ce week-end de grand nettoyage. Lève plus haut, voilà. Oui, Mathieu, c'est plutôt week-end de boulot ou détente ? C'est un mélange des deux. Depuis que je suis petit, c'est vrai qu'on a toujours quelque chose à faire. On n'est jamais vraiment en vacances à 100%. Toujours quelque chose à nettoyer, quelque chose à gratter, à fouiller, à casser, à couper. Le cloître est la pièce maîtresse du monument. Il repose sur un socle de schiste taillé sur plus de 15 mètres de profondeur. Guillemette, Monique, Annick et Yolande, les sœurs propriétaires des lieux, se chargent elles-mêmes d'entretenir la cour et le déambulatoire. Elles ont passé toute leur enfance à la Baumette. C'était un bon terrain de jeu. On a fait des tours de cloître en se faisant peur le soir, parce que derrière chaque angle, forcément, il y avait une mauvaise surprise. On a eu tellement de chance d'habiter là. C'était une telle... On a été heureux ici et voilà, du coup, on entretient avec grand plaisir. Nos parents nous ont laissé ça et on essaie de le garder. C'est pas toujours facile et c'est un lieu un peu unique, un peu magique. C'est tellement différent de tout le reste. La façade nord abrite la partie la plus ancienne de l'abbaye, la chapelle. Bâtie en surplomb de la rivière, elle était le lieu de recueillement favori du roi René d'Anjou. Henri IV, puis Louis XIII, y ont accosté pour assister à la messe. La petite église est en partie encastrée dans la roche et le schiste semble surgir du mur. Dix jours par an, la Baumette ouvre ses portes au public. Alors, c'est bon là ? Attends, il faut qu'on la voie bien de là. Alors, il faut qu'on la voie de là-bas. Ouais, monte là un peu. Encore ? Ouais. Et là ? Ouais. C'est bon là ? Oui. Et mets 4 agrafes. Les membres de la famille préparent eux-mêmes le site pour accueillir les visiteurs. Ce matin, Yolande, Jean-Marie et leur fils Mathieu doivent poser une cinquantaine d'affichettes. Bon, là, on les renvoie en bas et on marque privé, là. Oui, voilà, c'est ça. Il faut sécuriser les zones dangereuses et fermer l'accès aux parties privées. Bon, ben là, ils arrivent, ils descendent, ils voient la flèche, là, je pense quand même. C'est assez explicite, non ? Certes. Ce que j'aime, moi, c'est l'ouverture, c'est le fait qu'on se réunisse tous. En fait, c'est un prétexte d'accueillir les gens. Bien sûr, on aime mieux qu'il y ait des gens qui viennent parce que c'est plus motivant. Mais en fait, ce que j'aime, moi, c'est qu'on redonne vie. C'est un peu la renaissance de chaque année de la Baumette. Le lendemain, le soleil brille et des centaines d'Angevins profitent des terrasses qui dominent la Maine. Qui était une ouverture sur la vie économique du couvent. Bernard, le doyen, aime raconter aux amateurs de patrimoine l'histoire de la Baumette. Et puis je vous retrouve dans le cloître. Voilà. J'aime bien faire partager le savoir, ça c'est important.
on a beau se dire, bon, après tout, on est chez nous, ici, après tout, bon. Non, si, c'est un patrimoine, ça se partage. La famille peut financer une partie des travaux grâce à l'argent récolté lors de ces journées d'ouverture au public. C'est pas souvent ouvert, donc bah voilà, l'occasion, on est un peu curieux. Et alors, vos impressions? Ah bah, c'est un petit... C'est une super surprise. Ouais. Enfin, c'est impressionnant aussi, là, que tout soit taillé dans le roc comme ça, là, c'est impressionnant. C'est vraiment un joyau, enfin, c'est vraiment une superbe bâtisse et qui tient à être... Enfin, oui, c'est bien qu'elle soit connue et qu'on la visite. Hein, que... ouais, ouais, c'est un des petits secrets de l'Anjou. Mais... Le soir, après le départ des visiteurs, la famille se retrouve sur la plus belle terrasse. Dans quelques années, une nouvelle génération prendra le relais pour protéger la Baumette et perpétuer cette passion familiale. Quand on voit le temps que passent nos parents, nos oncles, nos tantes, on se dit que c'est quand même une sacrée charge. Et puis, ayant vécu là aussi, on l'a vu toute notre vie, ce côté lourd. Donc ça devient compliqué, mais on essaiera du mieux qu'on peut de, voilà, de faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. À la maison, oui. On en profite. Nous retrouvons la Loire entre Saumur et Chinon. Pendant des siècles, le fleuve nourrit les habitants de la région. Mais au début du XXe, la pêche professionnelle disparaît. Aujourd'hui, ils sont quelques-uns à relever le défi pour retrouver ce savoir-faire. Le jour se lève, Nicolas Hérault quitte les berges du village de Camp de Saint-Martin. Avec Pablo, un jeune tourangeau qui veut découvrir le métier, ils partent pour 4 heures de pêche. À 7 heures matinale, la Loire prend des airs de fleuve Amazon. Il faut naviguer 20 minutes pour arriver sur la première zone de pêche de la journée, près de la confluence avec la Vienne. À peine arrivé, ils relèvent un filet posé la veille. Silure, petit silure. Ce silure mesure 1 mètre. Ce poisson imposant colonise les eaux du fleuve depuis une quarantaine d'années. Il peut atteindre 2,50 m et peser 100 kg. Le super prédateur. C'est le gros carnassier de nos rivières aujourd'hui. C'est un poisson qui peut faire plus de 2 mètres. On surnomme parfois le requin d'eau douce. Aussi en rapport avec sa dentition, quand il perd une dent, il y en a une qui reprend la place. De même comme, enfin, c'est le même principe que les requins, quoi. Il a une première rangée de dents. Ouais. Après, il en a une... en haut, qu'on voit ici. Attends. Voilà, il a une autre rangée de dents ici. Je trouve ça joli, après... Bah si, je trouve ça joli, je trouve que c'est un beau poisson. Et c'est singulier hein, comme profil, mais... Je sais pas, moi je trouve ça chouette. Mon petit. Tac. Après cette première prise, destination Chouzé-sur-Loire, à 30 minutes de navigation. Nicolas est vendéen. Il s'est formé à la pêche en eau douce sur le Rhin, mais a choisi de s'installer ici
sur la Loire, il y a 10 ans. À Chouzé, il utilise une autre technique. C'est bon. Il tend un filet d'une centaine de mètres de long en travers du fleuve. Quand on pêche nos filets dérivants, il y a toujours un peu de... Enfin voilà, on ne sait jamais trop sur quoi on va tomber. Si déjà on aura la chance de voir un silure, est-ce qu'il va être gros ou pas trop gros, enfin... Il y a une montée d'adrénaline ou il y a un côté, un côté un peu spectaculaire. Quand on est... C'est chouette, quoi. Une fois le piège posé, il se laisse pousser par le courant. Est-ce qu'on aura de la chance ou pas ? Ça serait bien. Très vite, les premiers signes de prise apparaissent à la surface de l'eau. Oh, il y en a des beaux. Ouais, on est balèze. Ouais. Ah oui. Oh. Ça, c'est un mulet. Il y a un poisson qui remonte de la mer. C'est un poisson migrateur. Hein. Qui vient pas pour se reproduire, mais qui vient pour se nourrir en Loire. Je sais pas si on en a fait un aussi gros cette année. Non, je crois pas. Enfin, je sais pas. Mais... Ouais, chaud devant. En quelques minutes, il remonte une cinquantaine de kilos de mulet. Et surprise, un poisson impressionnant. C'est une carpe à moules argentée. Cette carpe pèse 10 kilos. Ouais, je tiens un truc. On va la dégager par la queue. C'est une nageoire rugueuse. Donc ça s'accroche dans le filet. C'est une première pour Pablo. Je suis super content de voir une carpe argentée si on l'avait jamais vue. Donc ouais, ça fait plaisir. En plus celle-là elle est belle quoi, donc ouais, c'est chouette. Chaque semaine, au beau jour, Nicolas capture près de 200 kilos de poissons. Certains nous considèrent comme les derniers pêcheurs de Loire. Moi je parlerais plutôt d'une nouvelle génération de pêcheurs. Voilà, il y a des jeunes qui s'intéressent aujourd'hui, là, je trouve ça très bien et il faut que ça reste quoi, comme métier. Quoi. Donc il faut qu'il y ait une transmission de pêcheur en pêcheur. C'est un métier d'avenir. C'est un métier d'avenir. Deux heures plus tard, les deux pêcheurs commencent leur tournée de livraison. Il faut faire vite, le poisson doit être vendu le plus frais possible. J'ai la chance de travailler avec une poignée de restaurateurs qui sont passionnés par ce qu'ils font. Ils adorent travailler les produits locaux. Les poissons de Loire en font tout naturellement partie. Mais eux, à travers leur établissement, leur restaurant, font redécouvrir ou découvrir le poisson de Loire. C'est un peu les ambassadeurs de mes poissons. Aujourd'hui, ils se rendent à Chinon, l'une des plus belles villes de Touraine. Avec sa forteresse royale, perchée sur un éperon rocheux. Nicolas et Pablo sont attendus dans un restaurant de la vieille ville, chez Christophe Duguin. C'est parti. Ce chef aime cuisiner les produits du terroir tourangeau. À la pêche du jour. On vous a mis deux barbeaux, trois brèmes. Pour les terrines. Oui, pour les terrines, ouais. Pour les blancs. Ouais. Là, il y a 6 pièces de mulet. Et puis le petit silure. Voilà. Ah bah ils sont tout frais là, tout frais pêchés, donc c'est du bonheur parce que vu la qualité, ça brille, c'est propre, ça sent bon, c'est magnifique. Ultra frais, voilà. La pêche du jour. Christophe veut réhabiliter le poisson de rivière dans l'esprit des gastronomes. Il faut les convaincre, oui, parce qu'au début, quand j'ai commencé à travailler toutes ces espèces, quand je leur disais du silure, et puis en fin de compte,
j'arrive à apprivoiser les gens, en quelque sorte, à le faire fumer, à le faire en terrine, à le faire mariner, ou à le faire un silure comme ça avec un beurre blanc, bah, c'est du top. Hein. Pour faire déguster ces saveurs oubliées, il imagine des nouvelles recettes, voilà. Comme ce filet de mulet grillé avec une émulsion de beurre rouge au cabernet franc. Le petit secret, c'est de paner le poisson dans un enrobage d'huile d'olive, un mélange d'herbes et de chapelure. Et comme ça, il va cuire sur le grill sans le dessécher complètement. Et comme ça, ça va faire une petite croûte autour et va cuire à la vapeur, en fait, sur le grill. C'est un poisson très simple et que les gens ils disent oh, « le mulet, qu'est-ce que c'est ?»« Oh, non, c'est pas... » »« Bah ben, si, mais quand ils l'ont goûté, c'est magnifique. » Après Chinon, Nicolas et Pablo sont attendus 15 km plus au nord, à Rivarennes. Pour promouvoir les poissons de Loire, Nicolas collabore depuis 2 ans avec une association qui rapproche les producteurs locaux et les habitants de la région. Deux fois par semaine, les adhérents viennent chercher un panier de produits du cru et de saison. Nicolas propose aujourd'hui des terrines de poisson qu'il a préparées. Carpe fumée et vin rouge de Chine. C'est super bon. C'est pas mal, Colombo. Ouais, ouais, elle fait bien aussi. Ouais. Ah ouais. Il faut vous faire goûter du mulet fumé. Je regarde les visages, j'attends les réactions. C'est pas la peine que les gens aillent acheter leur saumon merdique élevé je sais pas où, par je sais pas quoi, en grande surface. Ils ont qu'à manger ça. Bah ouais. Les gens sont spontanés, voilà, comme ça, on a une réaction honnête et sincère. Le jeune pêcheur a fait venir Florent, un chef avec qui il travaille depuis plusieurs années. Lui aussi ne cuisine dans son restaurant que des poissons du fleuve. Le mulet, c'est un poisson qui est assez fin. Ça ressemble un peu au bar. Les anciens, quand ils n'avaient pas de bar, ils prenaient du mulet. Sa recette du jour, un tartare de mulet. Il commence par lever les filets. Voilà, faut suivre l'arête. Hein. C'est tout simple. Puis il coupe la chair en lamelles et en dés. En le cuisinant cru, Florent veut faire apprécier le vrai goût du poisson de rivière. C'est bien préparé, un poisson d'eau douce, ça n'a pas plus le goût de vase qu'autre chose. Les gens, on peut garder dans leur mémoire la pêche dans les étangs. Les étangs, c'est de l'eau stagnante, alors que la pêche de Loire, c'est de l'eau courante. Donc les poissons n'ont pas forcément le goût de vase. Quoi. Pour relever la saveur du mulet, il ajoute du citron vert, un oignon, du poivre, de l'aneth, du fenouil et un peu de safran. Une petite fleur de sel à la figue. Comme je vais mettre un peu de fraise dedans après. Et pour revisiter la préparation du poisson de Loire, Florent a un secret. Il ajoute des fraises et des pruneaux de la région. Les gens ont un peu oublié que le pruneau de Tours, ça a été fait avant le pruneau d'Agen quand même, au XIIe siècle. Mais c'est étonnant, pruneau fraise avec le poisson, ça tombe pas. Bah ça va parfumer là. Ouais. Moi je suis un défenseur des produits de Touraine. Je suis Tourangeau. On va dire Tourangeau avant d'être français, non c'est pas ça. En 10 minutes, le plat est prêt. Qui c'est qui veut goûter le tartare de mulet? Allez-y. Allez, en même temps. Hein. Ah, vous trouvez ça comment? Ah, très bon. Chouette. Bah, le poisson, il ressort bien et puis il est ferme, il n'est pas cuit. Non, c'est un peu de la même famille que le bar, hein, donc ça reste un poisson assez ferme. C'est maintenant à Nicolas de goûter le produit de sa pêche. Ouais, en tout cas, la texture, elle est... C'est... Ça reste... Bah ouais.
C'est vrai que le poisson cru, c'est génial pour ça, c'est que ça fond sous la dent, quoi. Aux confins de la Touraine, à la limite du Poitou, s'élève un trésor architectural, une cité exceptionnelle qui témoigne d'une partie de l'histoire de la région. Richelieu. Au XVIIe siècle, cet immense rectangle de 600 mètres sur 400 sort de terre en quelques années à peine. C'est un exemple unique de ville nouvelle, érigée par la volonté d'un seul homme, Armand Jean Duplessis de Richelieu, le célèbre cardinal. Principal ministre du roi Louis XIII, c'est l'homme le plus puissant de France pendant près de 20 ans, entre 1624 et 1642. Adrienne Barthélémy est architecte des bâtiments de France. Elle s'est prise de passion pour cette cité hors du commun. Elle nous emmène ce matin au sommet de l'église Notre-Dame. C'est d'ici que l'on comprend le mieux la cité du cardinal. La spécificité de Richelieu, c'est que c'est une ville qui a été construite à partir de rien. Il y avait juste un marécage ici. Et il a voulu construire une ville pour faire une démonstration de force, pour montrer son pouvoir. C'est une folie complète, mais le cardinal pouvait tout se permettre. Richelieu fait appel à Jacques Le Mercier. L'architecte du roi imagine une cité idéale aux proportions parfaites. Un vaste rectangle entouré de remparts et de douves, avec un plan symétrique et des rues en damier. Au centre, la grande rue et ses 28 hôtels particuliers réservés à l'aristocratie. Dans les rues secondaires vivent les bourgeois, les notables et les commerçants. Aux extrémités, les maisons les plus modestes sont pour les ouvriers. Tout rappelle que quand on est un aristocrate, on n'a pas la même maison, la même architecture, le même hôtel que quand on est un simple ouvrier ou même un simple notable. À la mort du cardinal, la haute société quitte la ville. Richelieu tombe dans l'oubli et traverse les siècles dans un état de conservation exceptionnel. On a parfois l'impression ici que le temps s'est arrêté, que on retrouve une ambiance hors de notre monde moderne, puisque voilà, il y a très peu de construction du XXe siècle. C'est une ville dont l'authenticité est quand même assez extraordinaire. Les élégantes demeures de la Grande Rue possèdent toute une arrière-cour. Adrienne nous fait découvrir le jardin de l'un des plus beaux bâtiments de Richelieu. Entièrement restauré, il abrite le musée de la ville. De cet hôtel particulier, on voit bien le contraste entre l'espace très minéral de la rue, très, très sobre, très austère, et puis une espèce d'effusion dans la végétation à l'intérieur des cours. C'est un trésor caché de Richelieu. Il faut profiter d'une porte ouverte pour s'introduire et admirer ces jardins. Mais Richelieu, c'est également l'histoire d'un château. Un palais grandiose qui s'élevait à l'extrémité de cet axe. Au cœur d'un parc de 500 hectares se dressait un monument gigantesque, aujourd'hui disparu. Il faut imaginer une immense porte monumentale sous laquelle on entrait, deux murs de part et d'autre
qui cachait le château en fait tant qu'on n'était pas rentré dans la cour. Et tout autour, en U, d'immenses bâtiments, un grand château très sculpté et très décoré. À l'époque, le château de Richelieu est le plus grand de France. C'est un projet fou, voulu par le cardinal pour affirmer sa puissance. Abandonné à la Révolution, il est pillé, puis vendu à un marchand de biens qui le démantèle pierre par pierre en seulement 40 ans. Aujourd'hui, il ne reste plus que ce dôme, ultime vestige de sa splendeur passée. Déjà, rien qu'avec cet élément, on se rend compte de l'ampleur du château et de la beauté qu'il devait avoir. Et ça, pour vous, c'est un petit chagrin de se dire qu'il reste que ça ? C'est un grand chagrin. C'est un grand chagrin de penser qu'il y a un peu plus d'un siècle, on avait encore ce magnifique château et qu'il a été pillé, parce que je pense qu'on peut parler de pillage. C'est un massacre, quoi. C'est un massacre. Et d'autant qu'il était magnifique, c'était pas n'importe quel château. C'était, voilà, un magnifique château. L'architecte a fait appel à une association de passionnés du patrimoine pour rendre son faste à cette cité unique. C'est la rue principale qui est là. Principale, c'est là où il y a tous les hôtels partis. Cyril, Félicien et Clément font partie de Terres et Couleurs, qui se bat pour sauver les ocres, ces pigments qui ornaient les portes et fenêtres jusqu'au début du XXe siècle. Elle tient bien, mais on la fera peut-être partir. Dans quelques semaines, ils vont repeindre gratuitement, avec des bénévoles, les plus belles portes de Richelieu. Les enduits qui partent un peu en place, mais ils ont l'intention de... Aujourd'hui, ils commencent les repérages dans la grande rue. La propriétaire de cet hôtel particulier y tient une chambre d'hôte. Elle leur montre cette porte du XVIIe siècle où subsistent des traces de peinture. C'est des couleurs qu'on connaît. Voilà. Sur le bois, ils identifient une ocre jaune. Une peinture très mate, un peu partout. Et surtout, déjà on voit que c'est un pigment qui n'a pas tourné aux ultraviolets. Et ça, pour qu'un pigment soit solide aux ultraviolets, il faut forcément que ce soit de l'ocre. Et puis au 19e, c'est l'ocre, c'est l'apogée de l'ocre. Hein. C'est l'époque où on en utilisait le plus. Voilà, les parties hautes, ça c'est bien. Voilà. C'était ça que je voulais vous montrer là. Ok, au 24. Tu vois, juste à côté. En quelques heures, ils inspectent plus d'une trentaine de portes au cœur de la cité. Un marron. C'est toujours un peu la même palette, mais un peu différent quand même. Ça l'avait plus foncé. Ouais. Grâce à ce travail précis, ils veulent définir une palette pour rendre à la ville ses couleurs d'origine. Apparemment, les portes de la grande rue étaient toutes peintes en rouge. Ah oui, ça c'est... Tu vois ? Ils poursuivent leur enquête sur les portes monumentales qui ceinturent la ville. Là, t'as les portes du 17e. La porte sud, dite de Chinon, a conservé des traces de sa peinture d'origine. Ça, c'est les ocres du 17e. C'est le vieillissement qui les a grisés. C'est le vieillissement qui les a grisés. Regarde. C'est la crasse des voitures. Hein. Enfin, tout ce côté-là qui est à l'abri a gardé ses couleurs d'origine. À l'époque du cardinal, les principales issues étaient recouvertes d'ocre jaune. Ah ben là, il n'y a pas d'ambiguïté. On a les portes du 17e, on trouve les pigments, c'est les pigments d'origine. On trouve l'ocre jaune, ça correspond aussi à l'ocre jaune qu'on a retrouvé dans les cours. Donc il n'y aura pas de discussion possible pour la mise en peinture des portes monumentales. Et ça, on est content. Aucun doute possible. Parce que c'est quand même des monuments historiques, hein, donc on ne fait pas n'importe quoi. Nous sommes à la veille de l'opération. Sous la grande halle, il faut préparer plusieurs centaines de kilos de peinture. D'accord.
La recette est toujours la même. De la farine, de l'eau et de l'ocre en poudre naturelle. Ces terres colorantes sont utilisées comme pigments depuis des millénaires. À chaque carrière correspond une couleur différente. Là, on est dans notre élément, au milieu des terres. On a l'impression d'être dans un marché aux épices. Et c'est vraiment des couleurs utilisées depuis l'Antiquité, voire même depuis la préhistoire. Et donc les utiliser aujourd'hui à Richelieu, c'est extraordinaire. Ce jaune servira pour les grandes portes. Puis il faut ajouter du savon de Marseille et de l'huile de lin pour lier le tout. Peut-être même remettre un peu d'eau. Peut-être. Non, j'ai ajouté les yeux. Les trois amis doivent fabriquer plus de 600 kilos de peinture pour rendre ses couleurs à la cité du cardinal. Elle est bien homogène, elle est bien cuite. Après le jaune, ils préparent du rouge pour les portes de la grande rue. Cette fois, ils mélangent une ocre venue d'Inde avec une autre venue de Bourgogne. Impec. Ces teintes ont été validées par le conservateur régional des monuments historiques. Le lendemain, les bénévoles de Terres et Couleurs se sont donné rendez-vous sur la place du marché. Ils sont venus de toute la France pour participer à l'opération. Adrienne Barthélémy, l'architecte des bâtiments de France, est elle aussi venue prêter main forte. Ah ouais, c'est le grand jour, 2 ans de préparation pour en arriver à aujourd'hui et je suis bien contente. Ça va être une belle journée où Richelieu va être transformé en une journée, donc c'est super. Allez, allez-y. Ah, ça prend une femme pour nous sauver la vie. Oui, puis là, c'est pareil. En tout, ils sont une centaine de peintres amateurs. Très vite, les chantiers s'installent aux quatre coins de la ville. Moi, je suis trop petite. Des habitants de Richelieu se sont portés volontaires pour les aider à embellir leur cité. Non seulement c'est mon premier chantier, mais c'est mon premier coup de pinceau. Charlotte est richelaise, elle est encadrée par des membres de l'association. Et on est très très fiers de repeindre les portes de la ville. C'est vrai ? Ouais. Non, et de travailler cette peinture-là surtout. Elle est tout à fait dans l'esprit de la ville. Bien choisi, je pense que... Le rouge Richelieu. Le rouge Richelieu, oui. Les bénévoles ont plus d'une trentaine de boiseries à peindre, de plusieurs mètres de haut chacune. On n'est pas pressé, pas de stress, tout va bien. On prend son temps et on travaille en finesse, pas de bavure. Roland et Daniel ont fait 10 000 km pour participer à l'opération. Venus spécialement du Québec, ils sont très attachés à la ville du Cardinal. On a une ville de Richelieu, près de Montréal, qui est parrainée avec Richelieu ici. On a une rivière, Richelieu, qui se jette dans le lac Champlain, qui se jette dans la rivière Hudson, qui va à New York. Alors, c'est Richelieu, c'est un mot pour nous, qui est toujours dans notre vie. Normalement, elle est prête à piquer. Ouais, elle est motivée, moi aussi. Au même moment, l'architecte se consacre à la remise en couleur des portes monumentales. L'idée, c'est que chacun peut aussi intervenir. Et c'est notre patrimoine à tous, qu'on soit au nom de Richelieu, qu'on soit au nom... Voilà. On peut faire quelque chose et on peut agir concrètement. L'or et l'ocre, on n'est pas très loin, en fait. Hein. Ah bah oui, hein? On n'est pas loin du tout. D'ailleurs, c'était sûrement l'idée qui était utilisée, c'est d'imiter l'or, mais avec des matériaux qui ne coûtent pas cher. Ouais. Et là, il y a une ocre jaune qui est magnifique. Et c'est surtout le rendu, après. Cette impression que ça a toujours été là, en fait. Où ça dénature pas la porte, ça dénature pas l'architecture. Au contraire, ça la valorise. Et ça, c'est extraordinaire. Avec autant de bénévoles, le travail avance vite.
En fin d'après-midi, les habitants font un premier bilan. Jamais on n'aurait pensé que la ville aurait pu retrouver tout ce charme et cet aspect authentique. C'est superbe, ça. Ça y est, c'est fini, là ? La journée de travail touche à sa fin. Félicien fait le tour des chantiers. Et voilà, voilà. Bah, c'est pas mal, hein. C'est même... Il tient à complimenter le couple de Québécois. Le découpage, ça c'est la Québécoise qui a fait le particulièrement propre et réussi. Bravo, bravo pour un premier chantier. Oui. Super. À l'entrée de la ville, la porte de Chinon a retrouvé son lustre d'origine. Bah, c'est magnifique parce que ça fait ressortir toutes les veines du bois, toute la matière. Cette porte qui était terne, elle retrouve vie. C'est reparti pour un tour. Hein. Le soir, tous les peintres amateurs se retrouvent dans le parc du château. Ils sont attendus sous le dôme pour une soirée spéciale, une soirée rouge. Passionne depuis maintenant 2 ans et enfin ça y est, c'est réalisé. La ville a retrouvé ses couleurs rouges, ocre rouge. Sous les yeux du cardinal, les habitants fêtent la réussite de l'opération. Après qu'il y a eu un engouement général, ça a permis de resserrer des liens aussi parmi la population. Et puis la ville est transformée ce soir en un jour. C'est magnifique. C'est une belle aventure qu'on a vécue ensemble et qui, j'espère, va se poursuivre. Ça se finit que dans un lieu emblématique, le seul endroit qui reste du château. C'est vrai que c'est beau de finir ici. Clou du spectacle, une pièce montée, entièrement rouge elle aussi, en hommage à Richelieu. Il a fallu toute la passion de cette centaine de bénévoles pour rendre sa splendeur à l'un des plus beaux joyaux de la Touraine.